Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, le malade est de retour. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer pas mal de petites choses. J'ai tout simplement été parachuté au niveau du chien. On va essayer de le faire dans pas longtemps. Mais avant ça, je vais vous montrer qu'ici j'ai un peu nettoyé le secteur. Je pense que je vais retourner un peu à la prison parce qu'on a une mission qu'on n'a pas encore fait. Et après on va tout simplement faire quelque chose de bien mignon. C'est où qu'on se téléporte ici rapidement. Déplacement rapide, voyager, c'est parti. Alors Far Cry. Ce qui me plaît maintenant, c'est vraiment de pouvoir un petit peu m'aventurer où j'ai pas encore découvert des zones. Parce que j'ai découvert la dernière fois en passant très rapidement avec mon hélicoptère, qu'il y a des grottes en fait, sincèrement, qui referment en fait des compétences. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait avec ces grottes? J'ai pris des talents de compétences, je crois que j'ai amélioré un dernier truc. Bon, je me souviens plus exactement, j'ai une mémoire assez en carton. Non, en fait, j'ai rien amélioré, j'ai laissé les points. Ouais, c'est ça, j'ai laissé les points. Bon, maintenant, ce qu'on va essayer de faire. Ça va être d'aller, tu sais, juste ici. On reprendra l'hélicoptère. Oh là là, attends, lui là, il commence à. Merde, ça devient super épais, ce brouillard de grâce. Ah, mais lui en fait, c'est vrai, c'est un personnage. J'avais oublié. Tu vois, je me disais, mais c'est qui ce mec là, là? C'est vrai que c'est un PNJ. C'est grâce à toi si les gens sont en sécurité. Ah, ça c'est sûr. Y a pas un lingot d'or là? Non, y en a pas. Donc lui, faudrait qu'on aille voir le mec derrière. S'il te plaît, dégage-toi là. Bon, t'as pas d'amis, comment ça se passe? Moi j'en ai, je passe par là. C'est pas une excuse. Bonjour. Écoutez, j'ai un service à vous demander. Vous avez entendu parler d'un certain Finet? Il était pharmacien dans notre ville. Des tas de gens l'admiraient. C'était un pilier de notre communauté, mais en réalité, ce n'était qu'une saleté de dealer. Finet est avec la secte maintenant. Il a aidé à créer la grâce. Il paraît qu'il est à la serre des Jessop. C'était un atrium splendide avant. Mais il y a bien longtemps. Maintenant, Finet s'en sert pour son poison. Il l'a rempli avec ses fleurs. Alors je me suis dit, si vous alliez là-bas et que vous brûliez tout, je parie que Finet se pointerait immédiatement, pris de panique. Ah, le péché du père. Les péchés du père, pardon. Pas le péché, les péchés. Ça, ça me plaît comme mission de tout cramer. Y'a quoi, y'a un bouton secret là? Non, c'est un coffre. J'ai cru qu'il y avait un coffre-fort, tu sais, un peu dissimulé partout. Donc là, tu peux te prendre un sacré vent. Là, y'a rien. Allez, je sors. Bah, très bien. Ouais, j'ai une façon de sortir qui est un peu remarquable en ce moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être revendre le butin. J'ai rien du tout, c'est vrai. On va acheter des nouvelles armes, j'ai pu voir dans les commentaires, certains voudraient que je change un petit peu les armes pour pouvoir changer un petit peu, tu sais, certaines choses. Mais j'ai pensé à un truc, sincèrement, que je changerai rien. Allez, salut! Le bâtard! Non, je changerai plus tard dès que j'aurai plus d'argent parce qu'en fait, j'ai pensé tout à l'heure un truc. Regardez bien, je vais vous montrer. L'argent, pour moi... Ce que j'ai envie de faire, c'est m'acheter des nouveaux hélicoptères parce que je remarque en fait que certains sont bien plus puissants. Je sais pas lequel on va prendre, mais il y a certains hélicoptères où j'ai vraiment envie de les avoir. T'as l'impression que celui-là, il peut balancer des bombes mitrailleuses la totale. Donc c'est préférable de sincèrement de les laisser là, d'investir l'argent ici. Parce que là, on a juste l'hélicoptère qui nous sauve quand même la vie. C'est celui-là du pack de luxe. Ah, il y a mon jouet préféré. Vous savez qu'il y a un truc que j'ai découvert au bout de... Allez, 15 heures de jeu. Regarde, ça, R1. Elle était là, la canne à pêche. On a des potions qui sont là. On a des trucs qui sont là, confectionnés, tu vois. Je savais même pas qu'on avait ça, en fait. Donc ça s'appelle, en fait, une amélioration de dégâts au corps à corps. On va se la faire pour courir plus vite. On a celle du bouclier. Vous avez vu? Tout ça, je ne savais même pas que c'était c'était là. Voilà, fallait juste appuyer sur R1. J'ai découvert ça au hasard. Mais qu'est-ce que t'as que la pêche, toi? Oh là là, calme-toi, body. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on l'a découvert. En plus, on va pas s'en servir plus que ça. Mais voilà pourquoi je galérais pour la pêche, en fait. Donc, sa mission, elle est où à lui? Il faudrait qu'on la sélectionne, sinon on va partir là où il faut pas partir. Non, c'est pas celle-là. Donc, lui, c'est ce qu'il veut, c'est ça. C'est défoncer. Plutôt bloquer ce genre de territoire. Détruisez les bateaux de la drogue. Ça va aller très vite de faire ce genre de mission. Donc désolé, par contre, je peux pas passer la nuit. Je sais pas comment ça se fait, que c'est pas possible. Ça aurait été vraiment bien, tu vois. Tu t'allonges un peu comme sur Assassin's Creed et tu passes la nuit parce que là, on voit vraiment rien. C'est moche. Mais malheureusement,
Tu veux un jeu réaliste? Bah ils te mettent le jour et la nuit. Et avec elle, on va passer enfin au niveau 4 dans pas longtemps. Vous allez vous apercevoir, ça va être vraiment chouette. Donc pour l'instant, je rase-motte un peu partout. Hein. Parce que je me suis rendu compte que l'hélicoptère qu'on a, il est peut-être bien, mais c'est pas l'un des plus puissants. C'est pas moi qui a fait ça, je m'en vais. Oh là là, j'arrive même pas à le viser le chip correctement. Ça, c'est un truc de drogue, ça. Tiens, on est poursuivi là. J'étais obligé d'utiliser les leurs. Ouais, c'est coriace ça comme camion. Hein. C'est un camion rempli de quoi? De chichon ou quoi? Bon, il va exploser là enfin. Il y a un avion quelque part, faut qu'on se méfie. Hein. Parfois, il peut y avoir aussi des tireurs embusqués. Hein. Donc, nous on a trouvé en fait les parons de la drogue. Pendant la journée, ça aurait été plus cool. Hein. Tiens, c'est un zombie ça ou pas, tu crois? Ouais, c'est un zombie qui marche tranquillement. Tiens, les camions, c'est pas celui-là qu'on doit s'occuper. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Ah tiens, voilà le camion qu'on a besoin. Plutôt les petites cargaisons qu'on avait besoin. Non, c'est pas cela. Donc si c'était un civil, je suis vraiment désolé pour lui. Hein. Donc tu vois, c'est toujours des petites missions comme ça, un petit peu annexes, malheureusement, qui nous fait... Attends, là, on va tirer dans le tas. Voilà, égal, on va passer niveau 4 dans pas longtemps. Oh là là, tu sais pas bouger, tu sais. Ouais, je sais, j'en suis un. Donc, les petits trucs. Je pense qu'en fait, il y a un facteur jour et nuit aussi qui doit jouer. Parce que là, je vois plus du tout de camion. Ah, voilà le petit convoi. C'était un civil, ça? Putain, non, ça va. Là, il n'y a rien, c'est juste une petite zone comme ça, classique. On est où, là? Juste sur la carte, faut vraiment pas que je m'avance n'importe où. Tu vois, c'est ce que je pensais. On est déjà en train de quitter le périmètre. Ah, peut-être le camion l'en fait partie, attends. Faire gaffe parce qu'il peut me défoncer avec un lance-roquette, hein, l'hélico. Ça y est, son alerte générale, les pauvres. Changeons de munitions parce que c'est bien de garder des leurres au cas où. C'est lesquels qui vont me toucher en avant. Tiens, le mec il est là, regarde. Non, ça va, il n'y a pas d'hélico. Ils arrivent vite, hein. J'ai plus de munitions, faut patienter un tout petit peu. Non, c'était pas le camion qu'on aurait souhaité avoir. Tiens, le mec qui nous dérange, il est là. Tu vois, regarde comment il peut nous endommager l'hélicoptère. Enfin, le jour se lève. C'est lui qui me pète l'hélico. Faut se casser là. On se replie. On n'a pas le choix. Oh là là, il y a des turbulences là dans l'hélico. Qu'est-ce qui se passe, Body? T'as merdé ou quoi? L'avantage que j'ai par rapport à eux, c'est que moi je peux tirer de loin, mais pas eux. Fais gaffe parce qu'il peut m'avoir avec sa tourelle en fait. Eh bah c'est libéré tout ça. Donc c'était eux les derniers finalement, d'accord. Bon bah écoute, on a le secteur, c'est beau, c'est mignon, le jour vient de se lever. Bienvenue chez toi mon grand. Donc la station de service nous appartient. Donc heureusement qu'on n'a pas le plein. Ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis le plein, tu sais aussi. Ah, une nouvelle tenue rebelle, regarde. Bon, je crois que je vais vraiment me poser. Va nous aider à sécuriser la zone. Maintenant qu'il est aux mains des cougars, on va
tout remettre en ordre. Et ensuite, on pourra venir là pour faire le plan. Bien joué. Petit coffre-fort, petit. Coffre-fort, magazine, petit. Merci pour ce que t'as fait à la prison. Il y a un coffre-fort. Bougez pas, coffre-fort, mon petit. Ah, il est là, le coffre-fort. J'espère qu'il aura des lingots d'or, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. C'est quoi ce truc bim, là? Oh lolo, combien, 40? 40, c'est bien. Petit. Oh, argent. Moins, riche. Ah, ça, c'est le bureau du patron. Le mec, il s'est très bien enrichi là-dedans. Magazine, il y en a pas, il y a des flèches. Balai, portugais. Non, je rigole. Oh mon dieu, l'hélicoptère, il est en feu. Donc là, on a trouvé des cartes. On a une clé. Un petit gilet pare-balles. Il y a des sacs, il y a quoi dedans? Ouais, t'inquiète pas pour le chauffeur. Donc des nouveaux lieux découverts. C'est ça qui me plaît justement, c'est de fouiller partout. Oh là là, comme on voit rien du tout là. Oh, enfin des vraies munitions. Non, en fait, t'as pas besoin, Body, d'avoir ça. Ok, bon, bah, on peut y aller maintenant. Calme-toi avec tes musiques, hein. J'en ai marre, hein. C'est le chien de qui, celui-là, hein? Je crois qu'il allait me péter la gueule. Bon, on est dans quel secteur? On est ici. C'est con ce que je vais faire, vous allez rigoler. Je vais retourner, en fait, là où on est. Je vais chercher un nouveau hélicoptère et après, je vais changer de direction. Comme ça, on essaie de faire vite fait les camions de la drogue. Et on essaie de faire les bateaux. Comme ça, on va obtenir la mission principale terminée. Elle sera effectuée. C'est ça qui va être intéressant. Donc là, ça va déjà. On a libéré l'avant-poste. On a dérobé quelques trucs très cool. Le jour se lève enfin. Ça fait vraiment plaisir. Parce que la nuit, je sais pas, je suis pas fan, moi, des jeux maintenant qui mettent tout le temps la nuit. Même si c'est réaliste, hein, je veux bien. Mais je préfère la journée, moi, jouer. On reprend cet hélicoptère, oui. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est à fond. Si t'es pas con. Hey, tu fais quoi, toi? Hey, mais ta mère, toi! Reviens ici! Mais putain, mais c'est quoi ces PNJ de merde, là? Mais c'est mon hélicoptère, c'est pas le tien. Pose-toi là. Oh lolo, mais c'est quoi ce PNJ de merde? Il m'a volé mon hélicoptère. Connard, en plus je suis sûr que je peux pas le faire spawn. Et il a le sien ou quoi? Il va se crasher. Ah bah c'est encore mieux. En fait tu mets toutes tes PNJ, en fait on est en mode hélico. Oh la puissance de feu après que t'as. De même, ouais, ça c'est pas mal ça. Par contre, ça, tu vois, je viens de découvrir un sacré petit truc intéressant. Ça marche, chef. Comme ça, il va nous suivre. Je sais pas s'il nous suit toujours en hélico. Ouais, il nous suit. Oh là là, ça va être sympatoche. Mais bon, par contre, arrête de bouger comme ça parce que. Alors, faut qu'on trouve une zone où il y aura des petits mercenaires. Ok. Non, lui, c'est quoi? C'est un rebelle ou pas? Ouais, j'ai un peu de mal à distinguer parce qu'on voit pas très bien. Ah, le camion qui voulait. Non, détruisez le camion de la drogue. Non, c'est pas ça. Ah, mais attends, je suis pas dans la bonne zone aussi. Je suis pas du tout dans la bonne zone, en fait. Non, bah si, je suis dans la bonne zone. En fait, attends. Là, là on est au niveau 2, niveau 3. Avec elle, on a presque terminé le niveau. Je me pose vraiment des questions si c'est le bon endroit. C'est pas grave, on va libérer les choses. Ça va prendre feu, pas de panique. Non, j'ai pas l'impression qu'on est du tout. Ah, on a un trophée là. Ça y est, on vient de passer niveau supplémentaire avec elle. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc c'était bien la bonne zone, en fait, finalement. Bon, j'aime bien
les trophées et tout ça. Désolé, j'ai le son tellement fort, vous avez vu, il était presque à 100. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Des militaires? Non, je sais pas, j'ai pas hésité à tirer dans le tas. Hein. Parce qu'en fait, de plus en plus, non, ils vont devenir de plus en plus hostiles à nous. Là, on était passé tout à l'heure. Donc, niveau 4, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir les meilleures armes du jeu. Donc, je pense qu'il faudra pas mal d'argent. Pour ça, il y a des trucs qu'il faudra faire, c'est chasser. Je vous montrerai tout ça. Hein. Mais déjà, on termine rapidement les 2-2 là, qui nous manquent. Par contre, regardez les chutes des images par seconde, c'est juste dingue. Il me suit toujours, lui? Il y a un camion là-bas. Ah, c'est une base en fait qu'on n'a pas encore, à mon avis, découvert là. Il est où mon collègue là? Il est pas là? Ils ont un sniper quelque part, ça se voit. Ah, regarde. Ah, j'ai plus du tout de roquettes. 3 sur 5. Bah voilà, c'était ça. Donc les cargaisons de... ressemblent à ça. Tiens, il y a un avion. C'est un petit lac bien fermé. Ok, avançons. Donc, je pense que le mieux, c'est de rasmoter un tout petit peu cette zone. Oh, la différence de son selon les régions. Impressionnant. Ils peuvent descendre par là ou pas, tu penses, les trafiquants? Eh, mais il y a une différence de son, elle est impressionnante. Ça fait... t'as l'impression qu'il y a un écho. Non, c'est pas ces camions-là, en fait, qui veulent qu'on pète. Ça doit être les camions ici, là, vers le fond. Le seul truc que je vois, moi, c'est ça. Hein. Non, c'est pas ces camions-là. C'en est d'autres encore. Là, par contre, on change de zone, je crois. Hein. Ouais, tu vois, on est pile à la frontière. Merde, ça t'arrive de dézoomer, toi, ou zoomer? Faut que j'aille. Tu sais ce qu'on va faire? On va passer là-bas en ligne droite. En plus, vous savez, j'ai pas trouvé encore tous les clochers. Hein. Libère les otages, toi. Voilà, ça c'est leur chef. L'otage a été libéré. Par contre, j'appuie tellement sur la mitrailleuse. Il y a une grosse vache là, quelque part. C'est une vache? Ouais, c'est une vache. Tu la casses, imagine, il y a un truc de sur... il y a une petite surprise là-dedans. Mais que dalle, ouais. Oh, il y a un camion en face. Attends, je vais lui barrer la route tout de suite, ça va être fait. Ah, mais j'ai compris, c'est les camions de la drogue, c'est ceux qui transportent du chichon, là. Ah, je suis con. Mais en fait, je les vois tellement rarement, ces camions-là, en fait, dans le jeu. Ah, j'ai compris ce qu'il veut. Ok, ok. Je sais pourquoi je me suis focalisé sur les gros camions, donc désolé. Hein. C'est les petits, en fait, camions, qui ressemblent à des jeeps blanches avec un truc où il y a de l'herbe qui dépasse. Mais je les vois jamais, ces trucs-là. Ouais, c'était un collègue, désolé pour lui. Tu vois, regarde comment le jeu est vraiment un petit peu bizarre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses à côté. Hein. Je suis dans une bonne zone en tout cas ou pas, où je suis en train de me casser. Ça, je suis vraiment sur le périmètre à côté. Attends, il y avait quelque chose qui brillait là. Elle, la réputation, on est à fond. On a tout gagné. Mais par contre, il me manque quoi encore à faire avec elle, regardons. Expert recruté, 15 missions terminées, 4 avant-postes sur 8... Ok, propriété détruite, on a la moitié. Bon, ça va déjà. Comme quoi qu'en fait, j'y vais au moins qu'on termine un secteur. Je pense que le mieux, c'est de piquer par une autre zone. Ah, ça, c'est pas la drogue, ça? Si, voilà, ça, c'est du chichon? Non, je suis pas sûr. Putain, c'est incroyable, ces camions-là. Non, il était pas du tout... rempli d'herbe.
Oh là 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 là, le bordel que c'est là-dedans. Par contre, j'ai pas vu un seul train. Ouais, les trains, j'en ai pas vu tant que ça. Ah, ça y est, on change un petit peu de zone là. On entend que c'est plus le même son. Ouais, sanctuaire par la même occasion, là, on nettoie. Non, il est vide le camion. Ça, on connaît déjà cette zone. En même temps, comme ça, on explore un petit peu justement les environs qu'on n'a pas encore découverts. Et si vraiment il y a un truc intéressant, on s'arrêtera là. Tiens, ça, c'est bon signe, ça. Mais ça, c'est pas des trucs de trafiquants, ça, body. Non. Faut qu'on trouve les bateaux, là, qui transportent des marchandises. Ah, ils ont fait vraiment des missions un peu tordues, quand même, hein. Certaines, hein. Donc, désolé pour le son, c'est pas moi. C'est le rotor qui est en train de faire un truc bizarre, là. Je galère quand même, hein, sincèrement. Donc là, il n'y a pas grand-chose dans ce secteur. On est où sur la carte? Montre-moi. D'accord, on arrive vers la Panthère en plus. Cette zone-là, on ne l'a pas encore découvert. Hein. C'est pas un truc de chichon, là? Non, ça, c'est un truc de prisonnier, ça sert à rien. Ça, on libère rapidement même l'otage qui sert à rien. Non, en fait, on a très peu de bateaux dans le jeu. Vraiment, je suis en train de voir. Je suis moi-même surpris de voir en fait qu'il y a presque rien quoi au niveau de l'eau. Peut-être ici. Ah non. Que dalle. Oh, lance-roquette, tu l'as vu passer là? C'est lui là, pour la première fois je le vois. C'est le mec au fond là-bas qui a un petit lance-roquette. Oh putain, je vais pile dessus. Oh, je l'ai esquivé de justesse. Mais pas celui là. Bon, bah les gars, j'ai atterri de l'eau en tout cas. Ça, c'est un bon point. Non, mais cette mission là, je pense qu'on la fera vraiment à l'occasion. Je vais me concentrer sur des missions un peu moins chiantes. Bon, regarde franchement comment était Casburne. Aller chercher des trucs ou aller chercher les machins, les phares là ou je sais pas trop quoi. Non, non, faut vraiment qu'on arrive à faire des missions un peu plus rapides. Ah tiens, il nous remet là. Mais écoute, si j'arrive à trouver les... Ah, les camions de drogue. Il nous reste rien en plus à faire. Hein. Faut juste que je trouve ces petits camions et c'est bon. Bah, vu qu'on est dans l'hélico, allez, on va pas se priver. Par contre, ce qui manque, c'est la vitesse, un peu de pointe. Tiens, c'est pas des... Non. Non. Non, rien à voir, y a pas de drogue dedans. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment beau, hein. Il m'a endommagé un peu mon gilet pare-balles, vous avez vu? Club de vacances, là y a rien. Des fois c'est dur de savoir où est-ce que tu dois te rendre. Ah, y a un autre hélico ici, un rouge. Y a quelque chose qui nous vise en fait comme un sniper. Ah, mais les camions là, c'est impressionnant de les trouver. Je pense qu'ils en ont mis tellement peu. Ça, c'est plus des camions de barrage hein, qu'on a. Hein.
Tu vois, je trouve que le contenu est quand même assez vide au niveau de ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va finir par trouver une zone où il va y en avoir plein. C'est pas celui-là en fait avec du chichon là? En fait, tu sais qu'il est au-dessus de toi, espèce de clown, va. Il s'est barré ou il est juste en dessous de moi? Non, il est classique ce camion. Non, tu vois, je te l'avais dit. Trop classique. Oh non, c'est pas vrai. Comme ça, vous voyez la réalité aussi du jeu. Hein. Ça, c'est l'armée, ça, je crois. Je préfère d'abord leur tirer dessus avant que c'est eux qui le fassent. Je suis sûr que cette zone-là, faudra la libérer à gauche. Non mais, je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment pas se prendre la tête. Donc là, il y a un otage, on va le libérer. Ouais, c'est drôle de façon de jouer, j'avoue, mais ça marche. Donc là, je pense qu'on arrive dans des rentrochements. Y'a quelqu'un ici ou quoi sur le côté? Je te garantis qu'il y a un truc à l'intérieur là. Voilà, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un gros truc de ouf qui va nous attendre. Non, ça va, y'a rien en fait dans la secte. Ça, c'est un camion qui attire les zombies. Là, il n'y a pas d'otage, il n'y a rien. Ah, 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 enfin. Non, il n'y a pas de cam dedans. Merde, il n'y a pas du tout de drogue. Ah, si, 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 détruisez un bateau. Bah, si, c'est bon. Il nous en reste encore un bateau et après, il nous restera 3 véhicules et c'est bon pour la mission. En même temps, je suis en train de regarder aussi s'il y a des tours, tu sais, à aller récupérer. Les fameuses églises, tout ça, ça nous évitera de revenir et d'aller rechercher des trucs. Il y a une épreuve, à mon avis, aquatique ici, on la fera un peu plus tard. De la cam ou pas? Ouais, on dirait qu'il y a de la drogue dedans. Non. Pas de drogue, Boji. Tu rêves un peu beaucoup. Un avant-poste encore. Ah, il y a un sniper là-bas qui nous observe. Doucement, doucement, te dépêche pas trop. Pendant qu'il nous voit pas, on est bien là. Pas que je reste trop statique. Hein. C'est bien comme ça, on libère aussi des avant-postes. Il est juste là, le petit connard. Quoi? On a même ici? Oh mon dieu! Tiens, ils arrivent de l'autre côté. Ça a l'air assez costaud comme bâtiment ici. Hein. Peut-être que c'est un bâtiment assez important. Par contre, c'est les munitions qui sont très très chiants. Change de roquette, on sait jamais. Au cas où, tu sais, il nous lance un lance-roquette, je suis préparé. Ah, je le vois l'autre là-bas. Il veut nous lancer une roquette. Regarde, il est là. C'est bon. C'est pour ça qu'il faut être très riche en fait, mais pour devenir riche, il faut chasser. Il reste qui?
Elle m'a explosé la vitre. Allez, tant pis. Tant pis pour les 1000 balles, mais ça va être fait. Il est à l'intérieur, le mec, dans le bâtiment. C'est bon, on les a eu, mais faut que je me pose après. Il se pose tout seul, l'hélico. Ok, donc ils m'ont défoncé le rotor, ça veut dire. Ah, les petits salauds. Donc ils sont deux, je crois, hein. les deux derniers. Donc on a quand même atterri dans un sacré entrepôt, là. Où est-ce que vous êtes, là? Ça fait bizarre de sortir de mon hélicoptère. J'étais vraiment bien dans mon confort. Tiens, il va nous en rester deux, pas plus. Donc les mecs, je pense qu'ils sont là-haut. Putain, mais va les trouver, les types, hein. Mais putain, ils sont où ? Jeune homme, déposez les armes et rendez-vous ! J'ai le fuse ! Écoute, hein, c'est fait pour jouer. Mais putain, mais non ! Mais non, le mortier ! Ah, mon jouet préféré ! Mon jouet préféré, s'il vous plaît, c'est où la maison ? Ah, le mec, il a envoyé ça loin. J'en vois aucun. Bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Mon hélicoptère, il sert plus à rien. Voilà, c'est bon, on peut y aller au combat maintenant. Mais putain, mais les types, je te jure, ils sont trop bien cachés. Qu'est-ce qu'elle a à nous parler, elle, en fait, encore? Oh, c'est pas n'importe quel monsieur, celui-là. Ah, ils nous ont laissé un petit salaud, hein. Bon, désolé pour le dernier, c'était plutôt jouissif de lui mettre un coup de lance-roquette. Regarde, c'est beau. Mais on capture des grosses zones, hein, quand même. De toute façon, on sera obligé de le faire. À mon avis, il y aura une mission principale qui va nous obliger à le faire. Tiens, il déverse tous les produits chimiques dans la rivière, bien sûr. Qu'est-ce que c'est écologique? Ah, elle est fâchée contre Noël. Je vais chercher les magazines. La secte fabriquait sa grâce dans cette ancienne brasserie. On a vraiment bien fait de les chasser de là. Et puis, je vais peut-être enfin pouvoir me remettre à boire de la bonne bière dans le coin. Bien joué. Il y a beaucoup de bouteilles, on peut pas les ramasser. Y'a pas un coffre quelque part là? Non, en fait y'a pas grand chose, hein. Je pensais que finalement on avait libéré une grosse zone avec plein de choses, mais y'a que dalle. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, des toilettes, moi, sérieux, en plus on peut même pas y aller. Ouais, c'est moi qui fais ce bruit là, ne vous inquiétez surtout pas, hein. Putain, mais ils sont sérieux avec leur radio là? Donc il n'y a vraiment pas de coffre, en fait, malheureusement. C'était juste une zone comme ça. Moi, c'est pas grave. On le sait maintenant. Oh là là, ils me font chier avec leur poste, là. Bon, cette zone est libérée. Où elle se trouve sur la carte? Dans ce renfoncement. Il n'y a pas une mission à côté, si. Ah, je suis absorbé. Elle va pas m'aimer, là. Bienvenue dans la grâce. Ils sont pas embêtés sur la cinématique, hein, je te le dis. Hein. Bienvenue dans la grâce, Body. Oh, ça va être trop bien. Je comprends pas bien.
Tu pensais pouvoir continuer à agir comme tu veux sans la moindre conséquence? J'ai été raisonnable, j'ai été juste. Et tu es tellement égoïste! Tu as obligé quelqu'un à partir contre sa volonté. Mais tout ça pour jouer à quoi? Au héros? Tu sais ce qu'est l'hubris? C'est l'arrogance face aux dieux. Pour les Grecs, il s'agissait d'une fierté dangereuse qui alimentait Némésis, déesse de la juste colère. Si je gagne cette main, tu devras porter ton insigne. Qu'est-ce que t'en dis? Quinte flash. Si la seule langue que tu parles est celle de la violence, sache que je peux la parler. Et avec leur sang sur tes mains... Et avec leur sang sur tes mains... On verra quel courage tu as. On verra quel courage tu as. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée d'en arriver là. Je suis désolée d'en arriver là. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. J'aurais aimé pouvoir faire autrement. Mais toi, tu as fait ton choix. Mais toi, tu as fait ton choix. Qui a ouvert les portes? La putain de porte ouverte! Merde! Ils sont là! Je t'ai dit que je voulais pas partir. Ah ouais, sacré range, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est bon, la base, elle est compromise là-bas. Ma seule maison... Les cinglés tiennent la salle de contrôle! Faut se bouger! On se réveille... Non! Retenez-les! Donc finalement, on est de retour ici. La leçon, mission principale. Bah voilà, c'est l'heure de rejoindre maintenant la prison. Ça nous évitera de tourner comme un clown. Zevi n'apprécie pas qu'on casse des choses, hein. Non, ne me dis pas qu'ils sont contre moi, eux. D'accord, donc en fait, ils ont pris vraiment toute la prison. Est-ce que vous êtes là, merde ? Il y a des cinglés dans la prison, putain ! Ils bloquent les entrées ! Faut qu'on la libère encore, à mon avis, à nouveau. Ok, c'est parfait pour l'instant, donc faudrait qu'on trouve le conduit là en question. Heureusement que j'ai les bons réflexes, hein, je te le jure, parce que là, le petit bâtard là, il voulait m'assommer là. Eh, s'il te plaît, j'ai la clé, hein. Bon, on sait pas par là. Il y a un sniper quelque part, j'ai vu. Ah, j'ai même pas vu que c'était là. Je te jure, j'ai même pas capté que c'était là. Donc le conduit, à mon avis, doit être quelque part ici. Moi, je vois rien du tout avec cette lumière. Body, le but, c'est pas se cacher dans les conteneurs. Hein. Il y a un autre petit malin quelque part. Donc les silencieux sont très efficaces, tu vois. Finalement, j'avais raison de les prendre. Bordel de merde! Bordel de merde! Il va taper qui, celui-là? Bordel de merde, il m'a assommé grado. C'est bon. Ça s'appelle vraiment de la bonne filature, ce qu'on est en train de faire. Tu vois, j'avais dit un peu de patience. Ne fais pas de mal. Oh là là! Tu veux encore jouer au héros?
Oui, je vais jouer avec toi. C'trop tard, tu sais. Non, je commence. Tu aurais dû m'écouter quand tu le pouvais. Je croyais qu'elle allait mettre un coup de tête à un moment donné. Je monte. Compris. Oh là là, oh là là, j'adore la prison. C'est ma cellule ici, les gars. Il t'apaisera dans son amour pour toi, pour Eden. En plus, je dois faire un kill comme ça, le crocheter le type. Attends, il est où? Son pote, il est là-haut, faut que je fasse gaffe. Mais son copain, il était pas là-haut, là, il y a deux secondes. Ça, ça reste des prisonniers. Laisse pas me faire, tu merci beaucoup. À voir ma vie défiler devant mes yeux. Attends, d'abord je prends des choses. Quoi vous dire. Il est arrivé quelque chose avec Virgil et le Marshal. Et puis tout est parti en couille. Ils ont chopé le shérif. Ils ont chopé tout le monde. On est dans la merde. Faut se bouger. La porte est fermée. Un de ces salopards à la clé. Vite! Vite! Apporte la clé! J'avais pas la clé, moi, il y a deux secondes, là. J'avais trouvé une clé. Ah bah tiens, c'est peut-être lui qui a la clé. Vite, officier, je suis pas pressé. Tu fais tellement d'efforts. C'est triste. Quand on sait qu'ils sont vains. Allez, Virgil, allez, allez. Non. Non. C'est comme ça qu'elle est. Elle enlève. Elle détruit. Trouvez-la. Tuez-la. Faut pas qu'elle s'en tire comme ça. Crime. Elle est où, elle? Où est-ce qu'elle est, elle? Dans une cellule, tu vas voir. Où est-ce qu'ils ont pu la planquer? Je suis sûr qu'elle est quelque part là-haut, là. Attends, dans un conduit peut-être. On va savoir où est-ce qu'elle se planque. Non, elle est pas là. Faut qu'on l'affronte. Et en plus, à mon avis, tu sais, je vais être franc, je vais vous montrer un truc. Voilà, c'est ce que je pensais. Et donc, la mission avec l'autre... Ah non, elle est toujours là, elle est toujours en actualité. Je pensais en fait qu'elle était annulée, vu qu'il n'existe plus. Ok, je pensais que c'était fait exprès. Finalement, il nous restera quelques trucs après à aller chercher, mais bon. On progresse, c'est ça qui compte. Où est-ce qu'elle est cette folle là? Bonne question. Je crois que je vais la désigner. Elle est dans la prison, tu penses ou pas? Elle s'en fout complètement. Elle est nulle part en fait, elle. C'est une mission un petit peu aléatoire. Non, c'est pas grave.
On va sortir de la prison. Je pense pas qu'elle est à l'intérieur. Oh, les cadeaux de Noël. Eh, mais attends, ça veut dire que je peux aller derrière pour une fois la caisse. Récupérer mon bif. Hein. J'imagine ils ont mis un coffre avec tout notre argent depuis le début qu'on a dépensé. Ça, ça aurait été trop marrant, ça. Donc ça, je peux pas le crafter. Ça non plus. Quand tout sera fini, nous serons tous ensemble dans la grâce. Bon, c'est là qu'on va l'affronter vraiment, quoi. Tu vois de quoi on est capable. Viens à moi, et je te montrerai un monde que tu n'aurais jamais osé imaginer. Was grace to smile to fear, and grace my fears relieved. Ton shérif était un mur entre notre père et toi. Un mur qui te cachait sa vérité. Oh, comment elle est fure, Axel. Waouh. Ton shérif n'est plus loin. Il n'est plus loin d'accepter la parole du père dans son cœur. Et quand il le fera, il ne pourra plus jamais faire demi-tour. Où je suis passé? Derrière toi, tu n'y es rien. Coco. Coco. Oh la malade, elle est en train de tout nous foutre de la merde. Attends, tout le monde me saute dessus là. Sauf qu'il a oublié que c'est moi Body, hein. Le gros bourrin. Ça, tu l'as oublié, ça? Putain. N'aie pas peur de ma roquette qui va arriver sur toi. Non, j'ai retrouvé mon chemin. Ils l'ont pas mis pour rien, cette arme. Ah, par contre, bonjour la visée, hein. Oh bah ça va, c'est un peu de la tricherie là, tout ce qu'ils nous mettent là comme munition. J'ai une surprise pour toi, viens on va boire un coup tous les deux. Ça pique là, ça pique. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. En fait, faut pas rester statique avec elle. Tu ne sauras jamais ce que je sais. Oh, ça c'est sûr, t'es un ange. Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Ah ouais?
Bah, je fais le kangourou. Tu refuses ma proposition ? Bien sûr. Ce n'est pas ma faute. Rien de cela est ma faute. Tu crois que... Calme-toi, Lolita. Il m'a drogué de force. Il m'a menacé. J'avais 17 ans. Je n'étais qu'une gamine. Bon, Body, tu vas te faire défoncer dans 2 secondes là. Ah bah, je l'ai tué. C'est vrai, j'ai balancé plusieurs charges. Tu ne comprends toujours pas. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas? Joseph croit qu'il va nous sauver. Mais c'est à toi que reviendra la décision. Tu es l'alpha et l'oméga. Tout ça a été écrit de toute façon. Tu suivras la voie. Tu sauveras ton chéri. Tu auras la gloire. Et là, tu choisiras. Et si tu refuses de l'écouter, il aura raison. Talent dans le menu. Le portail est ouvert. Suivez la voie, entrée dans le bunker. J'ai pas beaucoup de temps. Fais vite. La grâce. Tu dois l'arrêter. Il faut que tu te dépêches. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Il faut que tu te dépêches. Vite. Vite, gamin. Arrête la grâce. Ramenez-vous vite. Allez. Yeah.
Bon bah voilà, j'ai pas pu arrêter la grâce, fin de partie, on a terminé le jeu. Imagine, non, c'est pas vrai. Mais c'était presque ça. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un mec là, tellement j'étais à fond dans mes trucs jaunes là. Tu vois comme quoi que des fois ils arrivent à nous tromper avec juste des petits marquages. Et bah malheureusement on se fait un peu avoir quoi. En fait je suis pas trop fan de cette arme, je préfère celle-là. Ça lui fait rien, ça. Ouais, je casse tout. Où est-ce qu'ils sont? Bah, c'est bon, il n'y a plus personne. Il n'en reste pas tant que ça. Voilà, c'est qui tire encore dessus là? Faut que je regarde. Par contre, bonjour les armes, comment ils sont complètement fous. Putain, c'est incroyable. Incroyable comment faut que je me cache. Eh, vraiment un coup de cul. Hein. Bon là, je ramasse n'importe quoi en fait comme arme, histoire d'être tranquille. Ah là 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 là, donc c'est en fait eux qui alimentent cette connerie. Oh, putain, c'est une lutte là, perpétuelle là, qu'est-ce qu'il faut faire? Surcharge des valves centrales, attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge des valves centrales. Donc là, il n'y a pas besoin. Je crois qu'il reste plus grand monde là, si. Un peu trop, non, pour sauter? Non, ça va. Attention, surcharge. Attention, surcharge des valves centrales. Il y en a 5 à couper, à mon avis. De plus en plus, il va y avoir de monde qui va nous empêcher. Non, finalement, c'est bon, on a nettoyé. J'avais raison, ils arrivent par là-bas. Vas-y, Bodhi, coupe-moi ça. Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge des valves centrales. Tiens, ils arrivent encore par là-bas. C'est leur point préféré. Attention, surcharge des valves centrales. Attention, surcharge des valves. Je peux pas du tout tirer. Ah, ils arrivent même par là-haut maintenant. Tant pis, je m'occupe de celle-là d'abord. Et la dernière. Attends, il y en a un derrière moi. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression, mais ça sert à rien en fait de se la mettre. Donc là, il nous reste. Tiens, il va le ranimer ou pas? Moi, j'ai plus de balles du tout, j'ai plus de roquettes. Voilà, le dernier là-haut qui nous emmerde le plus, il est là-bas. En fait, ils ont des snipers ou des armes un peu plus puissantes. Je pourrais rien faire contre lui là-bas. J'ai pas une petite grenade ou un petit cadeau à lui lancer? Non, j'ai plus rien. Ah bah, il s'est vachement lancé ses grenades, lui. C'est bon. Attention,
Donc c'est bon d'arrêter le site de production. Donc j'ai récupéré quelques balles hein, au passage. Hein. Détruisez les pompes centrales. Sacré endroit quand même là. Je peux rien faire pendant ce temps-là. Non, c'est toi qui vas te faire péter avant. Ouais, c'est une façon très 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 cool de jouer. Oh putain, ça souffle là-dedans. La dernière, elle est où? Bravo, t'as réussi. L'air se dégage un peu. J'arrive enfin à réfléchir. Faut qu'on se tire vite d'ici, ça va pas tarder à péter. Je vais chercher les survivants. On se retrouve dehors. Bonne chance. Je suis sûr qu'il va nous mettre un mec. C'est tellement costaud là. Ok, donc là, on ramasse les derniers trucs. Bon, heureusement que c'est blindé. Hein. Ah, il est long. Ça va, j'ai quelques roquettes. Donc il nous en reste pas tant que ça. Donc la dernière pompe, elle se trouve à ma gauche. Non, parce qu'il faut pas aller trop vite là. Ah bah elle est très très haut la dernière. Mais t'as vu le nombre de mercenaires en fait dans cette zone? Limite j'ai l'impression de terminer le jeu là. Ah c'est évadez-vous en fait. Et moi je suis comme un con depuis tout à l'heure en train de croire que faut que je tue la dernière valve. Elle dort bien. Celui-là, il va se réveiller au bout d'un moment. On monte, c'est ça, il n'y a rien à récupérer. Non, tout va t'exploser à mon avis là-dedans. Parfait. L'évacuation se passe là-haut. Ah, j'y brûle, j'y brûle. J'allais sauter en plus, hein. Je te jure, je l'aurais fait. Je suis capable de faire ça.
On a libéré toute la région, d'accord. Ah, c'est toute la région qu'on a libérée, parce que je crois que je suis arrivé au niveau 4 avec un fond aussi. Ça qui nous a permis d'en arriver là aussi. Vous avez pas l'air bien. Ouais, ben c'est parce que je le suis pas. Vous avez besoin d'aide pour entrer ? Non, non, ça ira. Je pensais pas que vous y arriveriez. Vous avez sauvé beaucoup de vies aujourd'hui. L'oubliez jamais. Hé ! Je peux avoir un coup de main ? Faut que j'y aille. Ouais. Tu sais, pendant un instant, juste avant que t'arrives, j'avais plus d'espoir, j'y croyais plus du tout. Je voyais aucune issue. Mais heureusement, t'es arrivé. On n'a pas pu sauver tout le monde, mais nous tous ici, c'est à toi qu'on doit la vie. Et je suis très fier de toi. Maintenant, retrouve-moi cet enfoiré de Joseph Seed. Passe-lui les menottes, ou bute-le s'il le faut. C'est un ordre, officier. Un seau a été ouvert. Ma face. Ma face. Elle n'était pas la première à porter ce nom, mais c'était de loin la plus dévouée. Quand elle m'a trouvé, elle vous ressemblait. Brisée. Perdue. J'ai placé mon espérance et ma foi en elle. Pour qu'elle devienne angélique. Parfait. Et ces maudits pêcheurs nous l'ont enlevé. C'est la foi qui nous fait tenir ensemble. Et nous sommes perdus sans elle. Alors nous ne devons pas perdre la foi. Et ceux qui voudront nous blesser vont souffrir. Sauver le shérif. Nouvelle arme, débloquée dans la boutique. 4000 points maintenant. On a un nouveau fusil à pompe. Bien sûr que je veux le prendre. Alors, Boisy joue comment, hein? J'ai libéré toute la zone ici. Ah, je l'ai éliminé. Je comprends mieux, on l'a éliminé. On a gagné en fait en influence, donc dès que tu arrives à fond dans les points de la résistance, bon, en fait on l'a éliminé. Donc on l'élimine lui, plus lui. Ah ouais, trop bien. C'est ce que je me suis dit en fait. Bah c'est encore mieux qu'avant. Donc maintenant les nouveaux jouets tout neufs qui m'attendent. S'il te plaît, accélère un peu plus vite le chargement, on a quand même patienté pas mal de temps. Donc c'est l'un des épisodes le plus long. Et il va être encore plus ralenti avec tous ces chargements à la con. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Elle était en train de chercher l'arme la plus secrète tout au fond du registre ou quoi? Alors, nouvelle arme. Bah oui, faut bien sûr que je vous fasse plaisir maintenant. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Nous avons ce fusil-là. On peut le mettre, par exemple, à la place de la mitraillette. Mais c'est vraiment une arme de corps à corps. Qu'est-ce qu'on aura d'intéressant? Je regarde un peu ensemble. Donc, je crois qu'on a presque toutes les armes à fond. Tu vois, on a la AK-47, tout le bordel.
Les derniers snipers, on les a pas encore. Moi, ce que je veux, c'est la grande souffleuse, là. Non, ça c'est bloqué encore. Hein. Ah, c'est encore bloqué, ce truc-là. Mais en tout cas, ça va. On est bien d'accord. Le RPG, j'ai pas suffisamment de balles. On a des points de compétence, je crois, également. 18 points. Oh putain, comment j'adore ce jeu. Transporter plus de grenades. Et tuer 4. Je suis obligé, hein. Obligé. Obligé, obligé, obligé. Pile poil le nombre de points. Alors maintenant, je vais récupérer l'arme que j'avais tout simplement désélectionnée. C'est laquelle qu'on s'était débarrassé. Je crois que c'était le fusil sniper. Comme ça, on va être sûr. En fait, il est où mon flingue, moi? Ah non, c'est vrai, il était au début. Il était ici. C'est exactement ça. Donc là, franchement, au niveau corps à corps, on est bien. Ah, par contre, j'ai pas fait un truc avec l'arme. Le fusil à pompe. Bon, pour l'instant, je l'expérimente, hein. Donc les amis, mais t'inquiète pas, je sais ce qu'il nous reste à faire. Donc les amis, on se laisse là dans cet épisode, et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va libérer les autres zones. D'accord, donc c'était la zone de Face ici. Mais en fait, pour pouvoir justement terminer ces missions-là, il faut quoi qu'il arrive, arriver au niveau des points de résistance à fond pour pouvoir débloquer. C'est pour ça qu'il faut faire des quêtes principales et secondaires pour en arriver là. C'est plutôt intéressant, donc tu vois, c'est un peu marrant parce que tu peux pas forcément... T'es pas obligé de terminer toutes les missions en fait, regarde bien. Après c'est selon vos styles de jeu quoi. Donc allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite.